soldats. Pays Kenya a besoin pour faire face à défi gang yo dans pays d'Haïti, selon déclaration président Kenya William Ruto devant Parlement Union européenne. Chef Kenya invite l'Union européenne pour soutenir force là dans l'idée pour capable aider résoudre problème et sécurité ya dans pays d'Haïti. Dashmi Rosier, 29 l'année, moun tigouave, victime de complot faux diaspora ak yon faux pasteur. Yo kidnappel nan Port-au-Prince depuis jeudi 23 novembre lan. Dacheline Rosier rencontre yon nèg sous réseaux sociaux. Li promet Dacheline la fèl pati. Li refere jeune fille ensemble avec yon pasteur. Ba li rendez-vous sous champ de masse. Pendant Dachmi rive, sotande ya, yo tout kidnappel. Selon Pro Eco Haïti, prix produits alimentaires yon grimpe 4.8% pour octobre à cause frontières qui ferme yon. Économiste Enomi montre nécessaire. Cité qui gagnait pour Haïti si spon dépend de République Dominicaine. Alain Dormeil, c'est nous un jeune garçon qui tombait en babal, commissaire gouvernement Miragouana, Jean-Ernest Muscadé, dimanche 26 novembre 2023. Jeune garçon ça, acquisé comme monde qui fait partie de gang 400 Marozo qui tape. Quitte département l'Ouest pour entrer dans le site pays à chef paquet à renouveler engagement pour faire département Nipla tourner un cimetière pour tout bandit. Car choléra yo continue à augmenter dans la commune Akaye, l'hôpital communautaire référence Nicolas Amand, ensemble avec réformé dans la commune Akaye, recevoir plus passé une cinquantaine de cas d'après responsable de l'hôpital Sayo qui m'a déconcours autorité sanitaire pour éviter Pita Pitris. Fredo Gédéon, c'est un citoyen dans la commune Wanamento qui porte si Paul Baye, syndicat chauffeur transfrontalier, entrepreneur, commerçant. Ensemble avec l'association Moto 3 Roues qui a exigé ouverture de barrière sous frontière Waname d'Abon. Après participation, nous rencontrons dans le bureau de délégation Nord-Est ensemble avec l'autorité départementale sous possibilité pour nous joindre une grève pour faire sortir le conteneur qui ferme dans ce domaine. Investir, prévenir la violence, c'est sous thème ça. Ministère Conditions Femmes et Droits Femmes, nous avons collé ensemble avec Pannelio, célébrer journée internationale contre violence sur femmes actives, célébrer samedi 26 novembre 2023, dans présence plusieurs gouvernement, ambassadeurs différents pays dans tous les États-Unis, la France, Mexique, pour citer ça seulement, ministre conditions femmes et droits femmes, dans l'occasion de dresser une table droite coulante sur situation femmes active dans le pays d'Haïti, car subit toute qualité de violence dans la société. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans le journal tout haïtien connecté pour vos amis InfoPower qui rentre. Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de qui l'est et qui côté ou attendez et puis regardez en même temps vidéo. Déjà, Nabdou, bienvenue sur channel là pour une nouvelle vidéo d'information que nous portons pour aujourd'hui. Si toutefois que c'est pour la première fois ou tombez sur channel là, pas hésiter à abonner avec channel là, gens qui ont constaté le sous écran et toujours activer la cloche notification. Une façon pour YouTube capable toujours notifier à chaque fois nous portons une nouvelle vidéo pour sur channel là. Eh bien. Vidéo nous portez pour vous sur channel là aujourd'hui, c'est avec Zami Paul Foucault. Nous parlons dans des détails comme actualité a été de tout ce qui a passé à Haïti ou à l'étranger dans le moment n'a pas la vol là. Et puis nous pas perdre trop de temps, nous parlons directement dans la vidéo avec Foucault Zami Paul. N'a pas d'autre pour prêter chez vous chita. Nous parlons bonne information Jean-Lié pour journée aujourd'hui. Pays d'Haïti, c'est côté lait et miel a coulé. Aïe aïe aïe. International remel, oligarque remel, politicien ap tete. Tout mette ensemble pour capable déchapiller pays ici là. Mes chers compatriotes, depuis plusieurs mois, Kenya annonce oui. La responsable force multinationale là pour venir mettre sécurité dans pays d'Haïti. Après, le fin assassiner Jovenel Moïse. Eh bien mesdames, mademoiselles et messieurs, déclaration président Kenya devant Parlement Union européenne non chef l'état invite l'union s'il vous plaît pour soutenir force ça dans l'idée pour capable mettre sécurité dans petit pays Haïti et il fait reconnaître tout son j'aime te dit nous m'a voyer 1000 il pas passé non c'est vrai que plusieurs autres pays qui dit y a voyer 100 y a voyer 50 y a voyer 300 y a voyer 150 mais quantité soldats n'a besoin pour capable faire face ensemble avec gang yo dans pays d'Haïti après tout calcul c'est 5000 soldats. Mesdames, mademoiselles et messieurs, divers pays qui annoncent qu'ils vont porter support et puis Kenya lui-même qui dit qu'il y a 1000 disponibles, nous t'es capable de dire en tout ça capable de faire 2000. Rappelez-vous un jour passé yo, responsable pays Kenya a été annoncé pour yon l'année. Oui, pour yon l'année, force là a coûté 600 millions de dollars. Rappelez 600 millions de dollars pour yon l'année. Ça, c'est pour 2000, pas vrai? Konya là, s'il 5000, l'on prend 2000 encore ou 600 millions. A gen a fait combien?
Fais calcul. Agita fait 12 millions. Agita fait 12 millions, OK? Pour y aller mes chers compatriotes, pour être un grain de mille en l'air, nous capable 10 000 là venir pour 300 millions. Ça Agita fait 15 millions. Non. La 15 millions, les plus parce que 600. Faut bien calculer mes chers compatriotes. Calculatrice, faut bien calculer. Us. Ah, yon pile oui, nous gèt en milliard oui. Hey. Nous gèt en milliard. Sami. Dépassé oui. Hey. Pou yon l'année. Et ou capable rappeler ou ministère fait environ 13 ans dans pays d'Haïti. Combien milliards de dollars qui dépensé? Oh, l'Éternel des amis. Toute l'argent ça. Et rappelez-vous, frères et sœurs bien-aimés. Yes. Rappelez-vous, mes chers compatriotes. Ministère te gen mission pour renforcer la capacité de la police. Et te gen un gros agent. Dans le pays les États-Unis qui te vini pour que l'ité capable bay la police formation. Pendant tout le temps que l'ité fait dans le pays d'Haïti. Eh bien, qui ça qui pral passe, l'y déclare, l'y pas de jam kwaza avec la police. L'y pas de jam chita non sal pour faire formation pour la police. Mais, seul quand elle te wè la police, c'est pendant qu'elle te sorti et puis l'on bakop la police qui te fait photo. Donc, pour année, nous getan 1,5 milliard. 1,5 milliard de dollars. Oh my God, merci. Hey, nous mêle, oui. 1,5 milliard de dollars vet pour yon l'année. Mais, gimme là. Kimé la balague. Et hier, où son j'aime t'expliquer nous, c'est que Kenya a gagné en pile dette. Kenya doué en pile, frère, c'est ce bien aimé. Mais faut que l'y vienne dans le pays d'Haïti. Faut que l'y dégage, elle prend tête force là. Faut le dégage, elle. Pour que l'y vienne ramasser l'argent, ça crouille à terre dans le pays d'Haïti pour le payer dette. Et puis nous-mêmes, la police, papa, j'aime tirer toi pour parler ensemble avec Bandi. Et ça qui est belle, la papa, ici. Partenaires nous yo zami nous yo hein les États-Unis Canada etc. cap soutenir force ça c'est moun sa yo encore qui fait 27 l'année cap financer la police et tandis que la police la caillou puissant la police la caillou gain matériel la police la caillou joine bonjour formation papa ici la police la caillou puissant mais yo gain 27 l'année depuis financer la police par nous la police pa jam sorti la rive là la police pou jam détruit un groupe gang tout bon qui ka passé li pousser gang noir et puis derrière mais l'autre semaine yo. Même moun sa yo ka financer la police, qui occupe la police pa jam ki capacité, et c'est eux même encore qui va dépenser l'argent pour y aller chercher Kenya pour venir mettre sécurité. Vous pas comprendre là qui complot nous. Donc en tout cas, il gamin de l'autre semaine là au vini, si là. Et ça qui plus grave là mes chers compatriotes. Qui gamin de n'a vinn plein pour n'a vinn dit oh, nous te gagne là, nous te gagne pétrole, nous te gagne 10, nous te gagne 4 qui tombe dans nous, on vole yo, nous pas jam système. Il met en bataille pour voir la première de ça, pour nous taper sous terre, pour nous faire scandale. Nous connaissons très bien. En tout cas, mesdames, mademoiselles et messieurs, si vous devez. Pendant la vidéo, continuez, n'a pas de pour abonner avec Chanel là. Je vais regarder le sur écran. Pas oublier de partager la avec vos amis, vos familles. Ça fait un pile plaisir. Le partager la vidéo avec vos amis ou vos familles. La coûte 600 millions. Eh bien, mes chers compatriotes, pour 5 000. Quantité soldats Kenya besoin pour faire face ensemble avec gang dans le pays d'Haïti, la coûté 1,5 milliard de dollars. Ou énorme, en tout cas. Et il y a beaucoup de gens qui ont l'argent si tout le pays a quitté soldat. Nous avons rentré dans la commune Tigouave pour nous saluer M. Marc. Mesdames, mademoiselles et messieurs, dans une vidéo, Radio Préférence se poste sur les réseaux sociaux, le journal Titezin, il y a Dacheline Rosier, qui a 29 ans. Il s'est moun Tigouave. Victime de complot faux diaspora et faux pasteur. Le kidnappel Port-au-Prince depuis jeudi 23 novembre qui s'est passé à la Dacheline Rosier rencontre un nègre sur réseau social. Li promet Dacheline la fait partie. Li référé jeune fille à yon pasteur et puis li rendez-vous sous champ de masse. Eh bien, ça qui va le passer, pendant Dacheline arrive, il y a tout kidnappel. Maman Dacheline a demandé libération. On écoute dans le micro maintenant. Journée samedi 25 novembre 2023, nous avons reçu la radio Préférence FM dans le journal quotidien
Et Madame Saha, son mère de famille, est sortie dans la 9e section des Palmes. Elle est venue à la radio Préférence FM. Je ne sais pas regarder là, c'est qui ici? Elle est Dacheline Rosier. Elle a 29 ans. Elle a 29 ans. Elle était quittée du coin, elle est allée voir au prince, jeudi. Elle était grandi avec tout le monde qui était encore sur les réseaux sociaux. Et que le monde s'est référé là comme pasteur. Vous pouvez venir chercher le prochain mars, c'est la dégâts des voix. Je suis kidnappé. Maman a passé, je viens de dénoncer ça. Tout radio préférence FM. Dacheline Rosier, c'est mon petit avant les parler. Nous allons attendre maman. Non seulement pas dire non, il va dire non. Dans quelles circonstances? Dacheline Rosier, kidnappé. Non pas madame. Mon femme, c'est Pierre Marilène. Où habitez? M'habite 9e temps. Et Dacheline Rosier, c'est petit tout? Oui, le petit tout, il habite Gaston. Gaston Tigouave? Oui. C'est le premier petit tout? Oui. Ok. Et dans quelles circonstances, vous kidnappé Dacheline Rosier? Dans quelles circonstances, vous avez kidnappé Dacheline Rosier? C'est monsieur Walner. Non, 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 oui, radio ça, pas de monsieur, non, mon nom, c'était. C'est Walner. Comment? Wadner Méris. Wadner Méris. Wadner Méris. Wadner Méris. Wadner Méris. Qui Bali. Ma vitale, pas tellement vitale. Côté de la porte, il y a un téléphone. Sur Facebook? Sur Facebook. Numéro et il y a un téléphone. Numéro et il y a un téléphone. C'est 602-742-96-96. Tu fais un compte ça sur Facebook, sur les réseaux sociaux? Sur Facebook. Ok. Qui numéro? Numéro c'est 602-742-96-96. Tu as une relation sentimentale avec lui? Qui est vraiment avec Jaspera. Ce qu'elle peut ça veut dire tout le défaut parce qu'elle est avec Jaspera, il y a des numéros internationaux. Ok, oui, il n'a qu'à Wadner, ça fait. Wadner, Bali, pasteur de Mavital. Comme agence. Comme agence. Aïe, aïe, aïe. Nous avons quitté Foucault pour nous rentrer dans l'autre information que nous avons pour aujourd'hui. Je vais constater sur l'écran là, Tibis Papa d'Apsa, c'est bandit dans Mariani qui est arrivé pour Tibis en otage côté, il est arrivé. Blessé plusieurs moun. N'appelez vous un poste que on site nous capable faire confiance qui fait qu'on est gang Mariani. Notre la sortie qui dit qu'on ça gang Mariani criblé yon tibis pap padap ak bal bon midi jeudi lundi 27 novembre au moins 4 passagers gravement blessés d'après ça journal radio Fafi rapporté. Gen l'autre image cadavre cap circuler tout mais nous pas cap poster pour par rapport YouTube cap ba nous problème. Des fois les nous poster ça yo et puis n'a faut qu'on ait attaque bandi à gros am fait sous commune Léogane hier soir dans localité Saïra. Et bien avec un site nous capable faire confiance j'en regarder sous écran là qui dit comme ça attaque après attaque bandi à gros am fan fois sous commune Léogane hier soir dans localité Saïra pour baldouille fait quelqu'un population enlevé joindre douille à terre tout côté c'était gros panique semblé projet l'en mort politicien ak mafia yo ap sorti matissant pour le river les iwa. Et bien j'en a regardé là mes amis c'est pour bal côté yo croisé dans commune Léogane côté bandi yo té passé dans commune là yo fait en pile dégâts. Après ça l'autre nouvelle côté nous côté pour n'a faut connait gros panique dans plusieurs écoles zone Paloma dans commune Kafour jeudi lundi 27 novembre la police ak bandi ap troqué konyo actuellement là côté n'a pas la voilà dans collège Juvena Sacré-Cœur timonyo paniqué et y a relé en mrey parce que yo tande trop bribal ki jan apprentissage ka fait en bas coup mitraille ki jan apprentissage ka fait en bas coup mitraille côté synergie entre ministère intérieur PNH ak ministère éducation nationale côté bagarre la badouce même dans commune Kafou dans moment n'a parlé là il y a pile tiré côté la police a toqué con avec bandi et élèves yo paniqué pendant yo l'école yo même situation chaque jour la plus compliquée de jour en jour dans pays d'Haïti côté bandi yo pas jamais suspend by back et la police a toqué con avec de temps en temps d'après information côté nous ca mettre au conditionnel vous t'assembler n'a tiré la police côté y a tiré grand pile monde qui prend balle qui semblait à innocent là par rapport de tout monde a couru pendant balle a pété tout monde a essayé échapper pour lui et bien balle a tiré
côté la police des fois ouais mon a couru il connaît ces bandits des fois qui arrivé prendre balle dans commune Léogane pour moment n'a parlé là n'a quitté commune Léogane j'ai regardé sur écran nous pour faire une visite dans pays les États-Unis et bien d'après un site nous capable faire confiance les États-Unis qui dit comme ça États-Unis seulement pour journée hier dimanche 26 novembre là il est plus passé 2.9 millions voyageurs qui retournent sur le voyage. C'est responsable transportation, sécurité, administration, TSA qui baille chiffre ça, qui sorti dans différents aéroports pays. D'après DHSGOV, c'est pratiquement plus gros quantité voyageurs aériens par jour enregistrés pendant un seul jour. Aux États-Unis, autorité yo nan TSA tout profiter mandé pour moun k'ap voyager pendant fête Noël là pour yo rive bonnet nan aéroport yo nan l'idée pour éviter trop embouteillage fête. Et bien c'est chaque jour k'ap passé nous venons une nouvelle différent k'ap vinn joine nous de tout côté dans monde là. Donc c'est là que nous mettons fin dans vidéo nous aujourd'hui. Un gros remerciement avec ou même qui t'est arrivé dans fin vidéo. Pi meilleure façon ou capable montrer que ou apprécie travail n'a fait c'est le ou quitte un like sur vidéo et le ou abonner ou à channel là ou ba nous plus force pour nous cap continuer faire travail n'a fait là ou partager vidéo avec yon ami yon famille ou faire nous comprendre nous capable bâtir une grande communauté ensemble nous promet tout n'a toujours fait tout effort pour nous capable toujours informer de tout ça qui passé dans l'actualité politique là Haïti ou à l'étranger. Pas oublier activer cloche notification, yon façon pour YouTube capable toujours notifier à chaque fois nous porter une nouvelle vidéo pour sous. N'allez tout le monde, nous quittons dans main bon Dieu lui-même qui a tout pouvoir et puis n'a prévoir encore dans une autre vidéo d'information sous channel.